se mange sans sauce. Alors maintenant, je prends mes deux bras et muni des cylindres blocs neufs, je vais les monter comme ça provisoirement. Donc avec les cylindres blocs neufs, hein, surtout. Alors également, je monte mes deux paliers sur mon châssis. Donc mes paliers sur leur fixation de châssis ont un tout petit peu de jeu. Alors, ce que je fais, c'est que je vais chercher à peu près la place au milieu. Voilà, une fois que j'aurai trouvé à peu près la place au milieu, voilà, je fais un petit coup de serrage léger, pas grand chose. Voilà, parce que les cylindres blocs tout neufs que j'ai, à mon avis, c'est des refabriqués. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'ils aient pas tout à fait exactement la même taille que... Voilà, si je me mets là, on voit bien. En fin de compte, va falloir que je les enfonce pas de... Il y a 4 mm là, il va falloir pas que je les en manche à fond. Voilà, on est bien d'accord. Si normalement, les anneaux extérieurs, ils auraient dû les mettre... On voit bien, il y a plus d'écartement de ce côté-là que de ce côté-là. Ces anneaux-là, ils auraient dû les mettre plus à l'intérieur. Donc, on va regarder quelle marque que c'est. Si jamais ils voient cette vidéo, ils savent qu'ils ont à corriger leur façon de fabriquer ces cylindres blocs. Alors, c'est pas trop grave, je vais quand même pouvoir les mettre dedans et ils seront sertis dedans. Mais à la fabrication, on voit bien, ils laissent pas assez de jours de ce côté-là. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. On voit bien, là. Voilà. Il va falloir pas que j'en manche mes cylindres blocs. Donc, de toute façon, même ceux d'origine, là, ils ne sont pas emmanchés à fond. Mais là, on voit bien, il y a une différence. Hein. Donc, il fallait que je vérifie ça avant de faire le montage. Hein, parce qu'une fois que, voilà, à la presse, il va falloir que je change les positions. Alors, voilà, on voit bien là, le vieux cylindre bloc. Il est emmanché presque à ras sur son palier en acier. Alors que, quand je vais présenter mes neufs, il va falloir qu'il dépasse un petit peu plus. Il y a un petit décalage d'un millimètre, hein, c'est pas grand chose. Bon, alors ce cylindre bloc tout neuf qui est de refabrication, hein, que voilà, en fin de compte, quand on le met comme ça, ben, ce qu'on peut observer, c'est que de ce côté-là, ça dépasse pas mal. En fin de compte, ça dépasse de 2,5 mm. Alors que à l'origine, justement, je pense que ça devrait dépasser normalement que de 1 mm. Et eux, ils ont mis 2,5 mm. Voilà, comme c'est de l'adaptable, bah, va falloir l'adapter. Donc, va falloir. Je vais vous montrer, hein, c'est pas trop grave. Hein, je vais vous montrer justement ce qu'il faut faire pour pouvoir le monter sur les paliers arrière de traction. Bon, et puis si vous avez l'occasion de prévenir, eh ben, ces flex au col, hein, faut pas hésiter, qui regardent la vidéo pour qu'ils puissent faire la correction. Ce qui fait que de ce côté-là, on voit bien, j'ai juste la partie conique qui dépasse. Alors qu'à l'origine, en fin de compte, il devrait y avoir 1 mm de plat ici, 1 mm de plat ici, et puis après, les à peu près 4 mm de partie conique. Bien, alors, mes cylindres blocs tout neufs actuellement sont sur mes bras, hein, dans leurs axes, mais pour l'instant, ce qu'il va falloir que je fasse, évidemment, c'est d'extracter le reste du cylindre bloc, hein, on voit bien sur ça, du palier. Donc là, il reste la partie, la cage en acier, qu'il faut que j'extracte. Alors, je ne pourrais pas la mettre au même niveau, hein, parce que comme j'ai dit, ce ne sont pas des cylindres blocs pièces d'origine, ce sont des cylindres blocs adaptables. Et adaptables, ça veut dire qu'ils portent bien leur nom, il va falloir les adapter. Donc ils sont un petit peu différents, il n'y a pas grand-chose, mais il ne faut pas que je les enfonce autant que ceux-là. Ceux-là, on voit bien, ils arrivent à peu près à ras, là, à 1 mm près. Les autres, non, il ne faudra pas que je fasse ça. Sinon, la position des paliers au niveau des bras va être soit trop écartée ou soit trop rapprochée. Et ça tombera pas bien quand je vais vouloir les visser sur le châssis. Bon, alors pour ça, il va falloir que j'utilise une presse. Hein, donc, je prends un de mes paliers que je vais poser sur un rond comme ça.
Bon, alors je le pose bien à plat sur le rond, voilà, comme ça. J'avais préparé dans d'autres ronds là. Bon, et c'est là qu'on va voir à quel point ça va mal se passer. Ah ah, là, ça a bougé. 5 tonnes. Bien, il faudra que je regarde quand je ferai le film, hein, quand je développerai la pellicule, parce que je n'ai pas regardé où c'est qu'il en était, le manneau. Donc là, il y a 10 tonnes ici, là. Donc ça veut dire que, voilà, à partir de 5, là, ça descend. Bah, je suis pas mécontent, hein. 5 tonnes. Bon, là, il va falloir que je repositionne. Voilà. Alors là, on voit, c'est net. Il est sorti, hein. Bon, faut que je repositionne parce que le rond que j'utilise, c'est un vieux roulement, une cage de roulement, et il y a un rebord là, et là ça va me gêner, donc ça je le laisse là. Je replace les deux paliers, juste comme ça, hein, là, dans les mordaches. Bon alors voilà, je refais mon empilage, un peu avec n'importe quoi, quelque chose d'assez solide quand même. Bon là, j'ai même... Ah, tiens, je pourrais le pousser avec mon doigt, tiens. Mais même pas 500 kilos. Voilà le fameux bout de cylindre bloc qui était resté dans mon palier. Bon, et ça se passe tellement bien que ça donne trop envie d'en faire un autre. Allez, hop, on presse. Ah, c'est tellement bon là. Non, c'est parti un peu en vrille sur le côté. Je vais le remettre droit. Voilà, bah là, ça a l'air d'être bon. Hein. Alors là, alors, formidable. J'ai même pas eu besoin de 5 tonnes. C'est trop facile. Bon, là, faut que je refasse l'empilage. Ça va plus. Ah, on voit trop bien comment il est sorti, formidable. Ah, et puis d'ailleurs, hop là, bon, d'accord, ça c'est sorti. Bon, c'est cylindre bloc à extracter à l'arrière, là j'en ai fait deux, apparemment ça se passe pas trop mal. Hein. Avec 5 tonnes, c'est suffisant. Bon, je vais déjà en remonter deux. Alors pour commencer, je leur mets un petit coup de toile, histoire de virer la rouille qui est dedans, hein. Je récupère deux cylindres blocs neufs. Hein? Le deuxième. Bon, mes pièces nettoyées. Voilà. Hein, on peut même leur mettre un petit peu de graisse et après on l'essuie. On la laisse pas, hein, c'est légèrement gras. Histoire que ça rouille plus, quoi. Parce que. Normalement, ça doit être emmanché sec, enfin, non, pas forcément, non, légèrement gras, faut que ce soit emmanché légèrement gras. De toute façon, cette partie-là est déjà légèrement grasse pour les stocker, c'est gras. Alors, ça a un sens, là, on voit bien, il y a une partie conique, hein, qui ne dépasse pas assez, d'après moi, déjà, qui va dans ce sens que je me trompe pas, je sais plus, j'ai bien fait de pas démonter tout, voilà. La partie conique, oui, va bien dans ce sens-là, hein, exact, comme ça, ok. Alors là, pour pas appuyer sur la partie centrale, bon, ça risque pas de... Ça va forcer sur mon caoutchouc, ça m'intéresse pas.
Je vais utiliser une partie du vieux silent bloc que j'ai déjà extracté, c'est impeccable. Voilà, comme ça, j'appuie bien sur la partie extérieure. Là, il faut que ça soit bien droit, je mets une cale, comme ça. Tout, c'est de partir bien droit, hein, c'est clair. Une petite cale, comme ça. On va presser légèrement. Là, j'ai un peu de travers, déjà. Le tout, c'est de partir droit, quand même. Voilà. Une fois que j'ai fait ça... Là, j'étais trop sorti ici, donc j'ai rappuyé que de ce côté-là. Hein. Maintenant que mon silent bloc est bien droit... Voilà, le tout, c'est de partir droit. Voilà. Là, l'aiguille, elle bouge même pas hein, quand je presse. Donc, voilà. Pour les remettre, hein, évidemment, il faut savoir que, comme d'habitude, c'était là-dedans depuis une cinquantaine d'années, donc automatiquement, ça va être difficile, enfin difficile à extraire, j'ai besoin que de 5 tonnes, faut pas exagérer. Là, j'ai besoin de rien du tout, hein. Ça y va tout seul. Alors par contre, faut pas que je mette à fond. Alors maintenant, force est de reconnaître, là, il est presque emmanché à fond. À un moment donné, quand même, bon, ça me demande presque peut-être 2 tonnes. Hein. C'est pas grand-chose. Bon allez, je vais préparer le deuxième. Alors, je l'ai poncé. Hein, maintenant, j'y mets un tout petit peu de gras, de graisse. Hein, il n'y a pas vraiment besoin, mais... J'essuie ce gras, c'est pas la peine de le laisser. Hein, c'est juste que la surface de l'acier reste gras, hein, parce que comme il n'y a besoin de pas grand-chose, pas beaucoup de pression. Bon allez, le palier. Un silent bloc tout neuf, la partie conique. En haut, hein, la palier, je le mets bien à plat, la partie qui est vers l'intérieur. Voilà, on essaye de le mettre déjà un peu droit quand même. Un vieux morceau de silent bloc. Ça. Alors pour ça, eh ben, je les remets sur mon bras. Je serre légèrement mes deux écrous à créneau. Bon là, j'ai pas mon châssis de traction, évidemment, mais de toute façon, on voit bien, j'avais fait une cale étalon. Là, je rentre pas, donc ça va pas, c'est pas bon. Faut que je les enfonce un peu plus. Là, ça passe pas. Hein. Allez, je redémonte mes deux paliers. Allez, je représente mon silent bloc. Il y en a plat, saccage, ça à plat, un support, on se met bien droit. Il faut que je le redescende. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre. Et là, j'ai besoin que de 2 tonnes. 2 tonnes, ça suffit. Allez, hop, je représente mes deux paliers sur mon bras. Voilà. Hop, je mets les deux vis. Je les serre modérément. Bon, allez, je présente ma cale étalon. Et ben, pile poil mieux que le plan.
Voilà, alors là, on fait bien la différence entre mes deux paliers. Ça, c'est les silent blocks qui dépassent d'origine Citroën. Et là, par contre, c'est les adaptables. Donc, ils sont un petit peu différents. On les en mange moins, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, ça rentrera plus sur le châssis. Bon, allez, même opération pour le bras droit. Alors, pareil, sur la presse. Bon, là, j'ai tout monté à 8 tonnes. Allez, changement de l'empilage. Ah, c'est fait. Allez, mon dernier palier arrière. Là, je suis à 5 tonnes. Ben, il m'a fallu que 5 tonnes pour celui-là. Bon, là, il faut que je change l'empilage. Voilà, les 4 paliers sont extractés. 4 silent blocs. Bon, et comme d'habitude, allez, un petit peu de ponçage pour les deux. Un petit graissage, mais vraiment léger. Hein. D'ailleurs, on va tout de suite l'essuyer. Hein, de toute façon, ça, la surface va rester grasse. Bon, la partie conique de mes silent blocs vers le haut. Hein? Alors, un vieux morceau de mes silent blocs, je le mets dessus. Une cale bien plate. Je commence à presser. Bon, là, il va falloir que je fasse comme les autres. Même chose avec l'autre. Bon, là, je présente mes nouveaux silent blocs sur leur palier, sur les bras. L'écrou. Et je les serre.
juste comme ça, devant. Voilà, une fois remonté, voilà ce que j'avais prévu, 37 mm ici, bah, ça passe des deux côtés, impeccable. De toute façon, je pourrais le recorriger, il n'y a pas de problème. Bon, de retour chez moi avec les cylindres blocs montés, je vais pouvoir m'assurer qu'ils tombent bien face au châssis et que je vais pouvoir mettre les vis. Alors, je présente mon bras. Voilà, et de l'autre côté, si j'ai trop emmanché mes cylindres blocs, bah, ça ne tombera pas en face, et là, non, bah, c'est bien calculé pour. Impeccable. Je vais pouvoir contrôler mes deux bras qui se mettent bien sur le châssis. Alors, pareil avec le bras droit, hein, je vérifie que mes quatre boulons vont bien rentrer sans difficulté. Tiens, ben je m'aperçois que j'ai mis le bras gauche à l'envers. Voilà, les quatre vis de mes paliers tombent bien en face de mes fixations au niveau du châssis. Voilà, assez impeccable. Je pourrais tout remonter les bras quand je serai prêt pour ça. Et une fois le bras gauche remis à l'endroit, hein, de toute façon ça ne changeait rien. Bon, ben, impeccable, je suis bien en face. Bon, une fois cela contrôlé, bon, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'à cet endroit-là, il y a dû y avoir un choc. Alors là, on voit, j'ai déjà refait de la soudure, j'ai remis ça en forme, hein. C'est le support de cric. Mais aussi, également, il y a le rivet qui a cassé, là. Donc, il va falloir que je le remplace. Je vais mettre un boulon, je vais voir ce que je peux mettre. Et oui, parce que là, du coup, bah, la fixation n'est plus bonne, hein. Ça se voit. Bon, alors, je fais sauter la tête de rivet. Muni d'un bout de carton, je me mets du côté qui n'est pas abîmé. Voilà, je le plie. Et je prends l'empreinte. Je plie mon carton de l'autre côté et je passe également de l'autre côté. Voilà, je le pose là, je le mets au même endroit. Voilà, je l'ai placé et tout, donc là c'est bien. Ben, il me reste plus qu'à prendre une perceuse et à percer parce que apparemment. Voilà, il me reste plus qu'à lui mettre une vis, un écrou. Coupage de ce qui se dépasse. Bon, et ben voilà déjà quelques petits problèmes de résolu. Maintenant que je sais que mon essieu arrière a été contrôlé, mon châssis arrière également, mes cylindres blocs de palier sont remplacés. Sur mes bras, les réparations, bah, il y avait juste une petite bricole, c'est fait. La soudure en bas. Alors, redémontage des pièces qui s'assemblent bien. Bon alors, brossage de certaines pièces. Pour d'autres qui sont déjà bien apprêtées, juste un ponçage. Bon alors là, vous l'aurez bien compris, il y a une ambiance barbouillage. Hein. Alors, pour commencer, un petit peu d'apprêt sur les parties qui sont vraiment métalliques. Bon ben voilà, j'ai apprêté certaines pièces. Ah ben il y en a certaines, je leur ai même donné un petit peu de la teinte même. Hein, j'avais du rouge qui traînait. Et puis ben, les autres ben, sont apprêtées.
Bon allez hop, barbouillage en noir. Ah, puis j'avais un petit peu de rouge qui traînait. Ah bah du coup, j'ai dû faire un petit peu de vernis, puis les barres de torsion, je vais les mettre rouges. C'est mon petit côté Fast and Furious. Alors, les tambours arrière, le châssis, les cieux, les bras. Bon, il y a quelques morceaux du train avant en même temps. Hein. Allez, et une opération de barbouillage de plus. Mon châssis ainsi préparé, bon bah c'est pas trop mal, hein, ça va aller. Par contre, ce que je remarque, et ça ce qui est tout à fait normal, c'est que ça n'a jamais été traité, ça, à l'intérieur du tunnel. Bon, ça risque pas de rouiller, hein, je pourrais laisser comme ça. Bon, c'est légèrement piqué, mais c'est toujours. Pendant que j'y suis, bon, c'est pas indispensable, mais je vais le traiter à ma façon, hein, c'est-à-dire que j'ai récupéré de l'huile de vidange, voilà, et voilà. Comme ça, juste un petit coup, comme ça, ça risquera pas de s'oxyder plus, hein, l'huile va bloquer la rouille. Ah bah tiens, même, je le mets debout, et comme ça, l'huile va descendre tout le long du tube, et ça va bien le protéger. Voilà. Bon, j'ai laissé mon châssis tubulaire, l'huile s'est goûtée dedans pendant plus d'une journée. Allez, hop! Et voilà, maintenant c'est bien gras dans mon châssis, il risque pas de s'oxyder. Ah bah tiens, en plus je vais rajouter un petit peu de corps creux. Voilà, c'est une cire qui va sécher, ça va recouvrir par-dessus l'huile, ça sera très bien. Bien, à l'intérieur de ma caisse, je me suis assuré que la visserie bien huilée, bien graissée, marchait bien, qu'il n'y avait pas de problème, hein. Toujours dans les voitures de collection, il faut s'assurer que ça se visse bien. Hein. Alors, même chose pour les boulons d'en dessous, hein, parce que faut que ça se visse bien. Et maintenant, je présente mon châssis sous ma voiture. Il va falloir que je l'engage dans la carrosserie. Bon, là déjà, elle a pas mal avancé. Bien, mon châssis presque en place. Et ben, hop, je vais sous la voiture et là, je vais essayer d'y mettre déjà les fameuses grosses vis de 35 là, que j'ai bien enduit de graisse. Alors j'en rapproche un. Alors pareil pour celui de l'autre côté, bien enduit de graisse. Hop. Alors pareil à l'intérieur, le boulon de clé de 17, bien enduit de graisse. Le boulon, alors bien spécifique, hein, lui il est de clé de 26, il a une rondelle éventail. Ça, je vais prendre tous ces boulons-là. Il y en a 6 en tout qui tiennent le châssis. Bon alors, même chose de l'autre côté, bien enduit de graisse. Pendant que j'y suis, tiens, à l'avant de ma voiture, ce que je vais faire, je vais y fixer une règle en aluminium à ras du châssis, là où porte le châssis avant. J'ai deux réglets, deux grands réglets, qui vont jusqu'à l'arrière.
Je tends le réglet du côté gauche et je vais lire la lecture qui va se trouver à la fixation des bras arrière. Voilà, comme ça. Voilà, bah, je pourrais lire sur l'écran, parce que là, j'ai pas les bons yeux pour voir. Ça doit être 2541 mm. Bon, alors, je fais la même opération avec le réglet qui est de l'autre côté. Voilà, là, je me retrouve du côté gauche. Et là, je dois avoir bah, la même chose. Donc, c'est bon, impeccable. Et oui, parce qu'un châssis à sa fixation, ça peut bouger de 1 à 2 mm. Donc, si jamais j'avais eu une grosse différence de 2 mm, j'aurais dû faire levier comme ça pour soit avancer le châssis ou soit le reculer de 1 ou 2 mm pour qu'il soit bien, bien droit avec la voiture. Ah, pour ceux qui veulent connaître la distance exacte entre le châssis, la fixation du châssis avant, la règle en aluminium a fait 54 mm. Ce qui veut dire qu'il y a 54 mm de plus hein, sur ma mesure. Mon châssis ainsi placé, je peux commencer à serrer les boulons. Alors, boulon type 17. Boulon type 26. Les deux boulons de 35 qui sont sous la voiture. Bon, alors ces gros boulons-là, en dessous, qui sont au châssis, j'ai décidé de les serrer à 15. Hein, mais je pense que j'ai dû les serrer à peu près à ça. Hein, je vais vérifier quand même avec la clé. À 15, ça va pas se sauver. Hein. Bon, attention, je vais vous dire ça à titre indicatif. Hein. Ça n'engage vraiment que moi. Moi, personnellement, celui-là, là, qui est en clé de 26, je l'ai serré à 9 kg. Hein. Celui-là, qui est en clé de 17, je l'ai serré à 6 kg. Et alors, celui-là qui est en clé de 35, je l'ai serré à 15 kg. Bon, alors, comme je dis, ça n'engage que moi, hein, parce que c'est mes serrages à moi que j'ai contrôlés, d'après ce que je les ai serrés à la main, c'était ça. Maintenant, j'ai pas les couples de serrage prescrits par le constructeur. Bon, à l'intérieur de ma voiture, allez, deux rivets, la pâte en fer, un bout de caoutchouc. Et voilà. Alors, opération à faire des deux côtés, évidemment. Bien maintenant, mon châssis arrière étant bien fixé, il va falloir que je m'occupe de mes bras arrière. Et on verra ça, eh ben, au prochain épisode. Allez hop, musique de fin !